47. Tom, j'ai besoin d'un nouveau costume. Oh, monsieur 47, quel plaisir. Oh, oui, effectivement, un nouveau costume. Si vous voulez bien me suivre. Par ici, je vous prie. Suivez-moi au salon d'essayage. Entrez, 47, je vous en prie. C'est une amélioration notable de votre costume. Regardez, une laine robuste, des coutures renforcées, un ourlet invisible et, bien sûr, une doublure en soie. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Hitman Absolution. Alors, ma mission, elle a été assez rapide. À savoir pourquoi, 47 a changé de costume. Je sens que c'est bien la fin. Il se met dans son costard pour aller défoncer des jambes à quelques canards. Allez, c'est parti. Notre cinématique, allez, profitons de ça. Tout de suite, comme convenu. Alors, à propos de l'argent, j'ai peur de pas avoir le pouvoir de décider. Tu quoi? Redis ça pour voir. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, non, non. Écoute, c'est pas comme ça que ça marche, mon pote. Tu ferais mieux de trouver le fric tout de suite ou le marché est annulé, c'est compris? Je compte jusqu'à 3. Laissez-moi en parler à mon supérieur. Putain de merde! Espèce d'enfoiré, à quoi vous jouez? Oh. On est contrarié. Désolé. Allez, assez joué, mon pote. 10 millions tout de suite, et si tu fais le malin, ce sera 10 millions de plus. Envoie la pétasse. Ok, connard. J'ai bien compris. T'as un sacré cul, ma jolie. Qu'est-ce que tu fous avec pas de folle? C'est beau. Tu me crois pas si bien dire. Hé, hey Dexter, où est la fille? Ah, je t'appellerai bientôt pour te dire où se trouve Victoria. Viens, ma jolie. Tout ce pognon, moi, ça m'excite. Vous avez donné notre argent à ce psychopathe juste comme ça? Il n'est pas si crétin qu'il en a l'air. Personne ne double l'agence. Bon, on se retrouve enfin à Blackwater, un peu le quartier général de notre big boss. Le big boss du jeu. Alors, c'est une mission assez difficile. Faut savoir que il y a beaucoup de... Faut connaître la map, en fait, tout simplement. Les gardes font toujours leur ronde. L'IA est toujours aussi conne, mais... Ils ont rajouté des mobs qui pop, comme celui-là, là. Hop. Vous rapprochez, il apparaît, comme par magie. Et il va faire sa ronde... où il a été programmé. Donc là, on va le faire chier avec notre bombe, on va le lancer, on va le faire comme une brique. Le jardin est sous contrôle. Et on va pouvoir le maîtriser assez rapidement. Donc déjà, sans se faire repérer,
par les deux Lascar, voilà. Bon, je me suis fait repérer comme un trou du cul. Non, y a personne. Oh fuck. Là, je vais me faire repérer. Ah, mais voilà. Ça, c'est le début qui est très chiant, et même là, par la suite, c'est encore plus chiant. Faut vraiment bien s'y prendre. Bon, je dis bien s'y prendre, c'est vraiment bien s'y prendre. Ouais, j'ai juste laissé passer un plombier. Il avait des papiers en règle. On va attendre qu'il pop, voilà. Donc il va arriver. Hop, on prend la petite bombe, on la cache parce que c'est une arme. Et on va le... La partie ouest du jardin est sous contrôle. Terminé. Ok, hop, on le maîtrise. Et on va lui voler son costume. Pour passer un peu plus incognito. Ok. Ok, nickel. On va cacher les deux tranquillement dans la boîte. Hop. Quand ça n'a pas de preuve, on peut récupérer son arme. On peut même récupérer le UMP. Ça pourrait toujours être utile. Donc on continue notre infiltration sans se faire repérer, bien sûr. Ok. Oh, on s'infiltre. Comment ça va? Tranquillement. D'accord. Attention à pas prendre la pluie. Ok, nickel. Et là, il n'y a pas grand endroit pour cacher un cadavre. Yeah, c'est vrai ça. Ça, c'est pas top. Quand les égouts auront débordé et que ça sentira la merde partout. Ouais, j'ai entendu parler d'un endroit où ils avaient fait une fête. En arrière. Centrale. Il va aller voir. C'est sûrement rien, mais je préfère vérifier. Ok, j'ai récupéré la preuve, ça me fait quand même des points. Ok. On va passer par là. C'est tendu dehors. Ouais, mais c'est un peu la folie ici aussi. À déclencher l'état de siège en bas. L'état de siège ? Et si j'ai besoin de quelque chose ? Ok, nickel. Je sais pas, pourquoi tu... Je
Ouais, je suis passé. Là, il y a un pan de contrôle, c'est nickel. Bon, c'est déjà infiltré, c'est le plus important. Ouais, Hope qu'on a détruit entièrement, laisse tomber. Je serais pas capable de me casser. Donc ah, sinon, je suis rentré. T'aimes vraiment ton métier, toi. Ne cherche pas, merde. Je crois que je t'ai déjà trouvé. Je pense qu'il faut vraiment que je prenne un costume. Putain, il est pressé. Oh là là, la chante que. Chatte que j'ai eu là. Bon, on va monter en haut, tous les cas, il y a que ça à faire, je pense. Fermez-la, les gars. Donc, faut que j'ai un appartement. Oh putain, il y a tellement de keufs partout. Il y a tellement de keufs. Faites quoi les gars? Tiens. Putain, ils veulent me buter maintenant. Silencieux dans son costume de bon. Ok. Bouge pas. J'aurais dû aller emmerder quelqu'un d'autre, mon pote. Viens ici. Oh l'enculé. Ah ouais, dès que je le braque pas, il se casse, ok. Bon, en tout cas, voilà, on sait que ce qu'on va faire, c'est désactiver le système des yeux, là. Le système d'héritier, mais le souci, c'est que voilà. Là, on a toujours son costume de flic. C'est vraiment pas de couilles. C'est pas vraiment avantageux de l'avoir. Vous permettez ? Ça va être chiant, ça. Bon. Ouah, t'aimes vraiment ton métier, toi. Me cherche pas, merde. Je crois que je t'ai déjà trouvé. Monsieur, votre comportement est plus que suspect. Arrêtez ça. Ok. Bon, on va refaire comme tout à l'heure. Ok. On va pas faire d'erreur maintenant. Ne faisons aucune erreur. Allez, on va monter là-haut direct. Ouais, je me la taperai bien, mais comme on dit. Ok, nickel. Là, on va pouvoir passer. On a même plus accès aux étages. Même on peut plus y aller. Ça s'arrête pas de s'éteindre. Mais comment je suis censé faire mon boulot, moi? Je vais me poser là, on verra bien si je me retrouve à l'état. Ouais, probablement. Je m'en fous, je la baisserai bien. Ok, nickel. Monsieur Dexter, il a neutralisé. Oh, ils m'attendent à la porte directe. Il vient par ici. Oui, monsieur.
On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'ai bien envie de vérifier par moi-même. Y'a l'argent. Mais ouais. Ça fait un sacré paquet de pognon, et c'est rien qu'à nous. C'est à moi. Ah tiens, achète-toi du rouge à lèvres. Putain, ça fait un paquet d'oseille. Ouais. Quoi? Merde! Vous vous foutez de moi ou quoi? Pourquoi personne n'arrive à le buter, ce fils de pute? Liquidez-le tout de suite! Vous me le butez! Vous m'entendez? Vous croyez pouvoir faire ça? Non, bien sûr que non! Parce que vous êtes une bande d'amateurs de merde! Je dois tout faire moi-même! Du calme! Putain de bordel de merde! Ça va aller, bébé! Non, ça va pas aller! Cet enculé de chauve vient me faire la peau! Merde! Oh, merde! Leila a les moyens d'arrêter n'importe quel homme. Tu sais que j'ai toujours admiré tes talents. Je compte sur toi. Viens, ma puce. On y va, je compte sur toi. T'en fais pas. Elle a l'air glorieuse, celle-là. Allez. 55 au 22e étage, c'est le numéro 22. C'est le numéro 25. C'est le numéro 55 au 2e étage, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive? T'as fait flipper. Je suis dyslexique, vous croyez? Je suis peut-être juste stupide. En tout cas, il me donne faim avec ses sushis. Vous croyez que je devrais consulter? Je devrais peut-être consulter, il y a un test pour la dyslexie. Oh, mais vous avez un flingue! C'est trop cool! Ah. Non, c'est juste le livreur de sushis. T'as commandé des sushis? C'est Mademoiselle Stockton. Putain, va récupérer les sushis et apporte-les à Mademoiselle Stockton. Et évite de te servir au passage. Bon. Nous allons faire une infiltration un peu différente. On va se balader dans les ascenseurs. C'est parti. Ils m'ont vu. Comme s'ils m'avaient pas vu au début, putain. Ils ont tué le mec à sushi, il laisse tomber quoi. Le pauvre. Il a rien demandé. Le type il a rien demandé et il s'est fait buter quoi. Putain, j'ai plus de silencieux. Fait chier. Moi j'aime pas trop ça, mais bon. Eh, hey, attends une seconde. J'ai pour ordre de contrôler toutes les pièces. Monsieur Dexter interdit qu'on entre ici. Comment je peux contrôler toutes les pièces si... Personne n'entre dans cette pièce. Admets-le. Cette pièce servira plus jamais à personne. Oh putain, fait chier. Là, je pourrais pas passer. Bon, en tout cas, cette pièce, elle a l'air intéressante. On va y jeter un oeil. Mais ça va être difficile de rentrer là. C'est moi. Ouais,
personne d'autre. Ouais, va regarder sur tes disques ou tes serveurs. Fais ton boulot, quoi. Et dis pas de conneries la prochaine fois. Ok. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Ok. Ah, j'avais cru qu'on pouvait récupérer le costume du mec de Sushi, mais non. C'est dommage, ça aurait pu être intéressant. Se déguiser en livreur. Seigneur. Halt ! Identifiez-vous. Ah. Ah, tu fais ta michetonneuse là, mais dès qu'on te maîtrise, tu dis plus rien. Hein. Putain, j'ai eu de la chance. Ok, nickel. Monsieur, vous devez quitter la zone. C'est dangereux. Les autres n'ont pas d'autres infos. Terminé. Tu as trouvé quelque chose ? Putain, c'est chaud là. Allez, serre-toi de tes yeux. Allez, y a Layla qui est juste là. Repos, les gars. Ça va être chaud. Ça va être dur. Tirez si vous arrêtez pas. Remettez le cran de sécurité et posez votre arme. Je vous promets que je vais vous embarquer. Quoi ? Ouvrez l'œil. On a un mort ici. Hey ! Vous avisez pas d'essayer de fuir. Levez les mains. Sage décision. Putain, ça va être chaud. Visez la tête. Bon. C'est vraiment chaud là, je sais pas quoi faire les amis. Cette mission elle est vraiment vraiment difficile, mais c'est un truc de ouf. Là, j'ai même plus de silencieux sur mon arme, je sais même pas pourquoi il a sauté. Là vraiment il y a que de la merde qui se passe. Là c'est chaud quoi.
Oh cool, un mec. Allez, chute ma poule. Ok. Et tu vas faire une sieste tout en bas. Ok, nickel. Ah ouais, je passe. Je passe tranquille avec ça. Et attends une seconde. J'ai pour ordre de contrôler. Nickel, je passe nickel avec ça. Interdit qu'on entre ici. Comment je peux contrôler toutes les pièces si personne n'entre dans cette pièce? Admets-le. Ok. Son fils a disparu depuis plusieurs jours. C'est sa manière à lui de faire le deuil. Cette pièce est... En même temps, j'ai tué son fils comme un connard en plus. Bon, on a trouvé la solution, les amis. Bon, excusez-moi pour les pour cette map, mais cette partie, mais c'est vraiment, comme je vous dis, une partie très 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 difficile. Malheureusement. Je sais pas ce que c'est ce bruit, mais. What the hell? Des capteurs un peu partout quand même. Bien juste de fouiller là-bas, il y avait rien. OK mec, merci. Ce que je vais faire, c'est que la chambre de Lenny elle m'intéresse. Donc je vais sortir dehors et je vais essayer de d'aller la fouiller en montant par les fenêtres. Alors eux, ça passe, ça passera moyen quoi. Ça passe moyen. Là il est en bas. Là ça va être dur. En fait je passe nickel parce qu'en fait je suis pas de la même catégorie qu'eux. Je serais de la même catégorie, ils m'ont un peu arrêté direct. Donc au final, c'est un bien pour un mal. On va avancer, on va continuer à avancer. Tout en restant vraiment dans l'ombre. Au niveau de temps de faire le con. Par la même occasion. T'as entendu parler des nouvelles recrues de ton équipe? Écoute, je le prends pas mal, mais je suis pas tellement d'humeur à discuter. Rien à foutre des nouvelles recrues. Excuse-moi d'essayer tes temps pendant que tu es content de toi de faire ton travail. T'es si tordu. T'as combien de café? Concentre-toi, d'accord? Je vais être sûr de rentrer chez moi ce soir. Ok. Vous pouvez passer. On va s'occuper de Layla déjà. Je pense qu'il y a de quoi faire pour Layla. Elle est vraiment fermée à clé. On retourne sur les traces de Layla. Carte d'accès ici. OK. Oh, il y a des putains d'armes ici quand même.
sais que c'est Dexter qui a abattu tous les animaux exposés ici? J'ai la chair de poule chaque fois que je passe devant ces pauvres bêtes. Je déteste ce truc. Quoi, t'es un putain. Des animaux? Je trouve juste que tuer, c'est pas un sport. Ouais, alors là. Une porte secrète ou quoi? Exact. Ok. Donc il y a une petite porte secrète par ici. Vous devez remplir vos objectifs pour avancer, ok. C'est carrément bunker ici, s'il te plaît. C'est carrément bunker. Allez hop. C'est bon. Ça c'est fait. Et hop, on continue la musique. La musique, le jeu. Très dépaysé, hein? Oh, me dis pas que t'étais pas au courant. Alors ça, c'est trop fort. Salopard! Vous approchez pas de moi! Droguez la fille et mettez-la dans l'hélico. Ouah, elle est forte, Victoria. Et bien sûr, je pense que vous saviez tous que c'était pas la fin de Hitman quand même, Absolution. Ça aurait été un petit peu trop facile. Mais en tout cas, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Hitman Absolution rapidement. Et désolé pour les trails parce que là, ça commence à devenir très difficile. Et franchement, je commence à avoir beaucoup de mal. Mais en tout cas, on a réussi à faire quelque chose en spécialiste et à pas être trop bourrin. Donc c'est déjà ça pas mal. Pour moi, 51k, c'est pas mal. C'est mieux que mon ancien score déjà. Donc dites-vous, c'est bien amélioré. Et on se retrouve rapidement pour la suite de